Je vais pas vous raconter des salades, mais Windows, c'est pas un système avec lequel je travaille. Bon, il y en a qui l'utilisent, mais je vais leur montrer comment faire un Hello World en C, en utilisant trois outils différents, l'IDE Visual Studio Community, l'IDE Codeblocks, ou sinon en mode terminal, en utilisant l'outil Cygwin, qui permet d'importer un tas de programmes, d'applications Linux sous Windows. Un Hello World en Visual Studio. Donc je lance Visual Studio, crée un projet. Je vais avoir une liste de projets possibles, des types de projets, des applications, des bibliothèques, etc. Donc on va choisir application console, suivant. On va nommer l'application Hello World. Donc là, soit vous décochez ça et vous donnez un autre nom pour la solution, soit vous cochez ça et ça prendra automatiquement le même nom. Créer. Il génère les fichiers. Alors sous Visual, il va vous créer directement un programme qui s'appelle Hello World au final. Parce que là, comme on le voit ici, il y a déjà une impression Hello World à l'écran. Donc déjà, on peut exécuter ce programme tel quel. Alors, pour générer, on fait générer la solution ou. Ou sinon vous avez le raccourci clavier qui est là, ou CTRL F7. Hein, donc là ça compile le CPP. Et puis pour exécuter, donc soit vous démarrez en mode débugage, c'est-à-dire vous pouvez pas à pas regarder ce qui se passe, soit vous exécutez directement sans débugage. Voilà. Hello World. Donc pour l'exécution, on peut faire F5 ou CTRL F5 sans débugage. Donc on a déjà le Hello World, mais c'est un Hello World C++. Bon, je vous propose de remplacer le Hello World C++ par un Hello World C. Donc, on va ici dans les fichiers sources. On fait ajouter un nouvel élément. Fichier CPP, oui, mais on va le nommer Hello.c pour être cohérent. Voilà, donc le fichier Hello.c est vide. Disinclude. Stdio.h int main void return 0 printf hello world retour à la ligne point virgule. On sauve. Alors ici, on a un main ici et on a un main là. Deux mains dans le programme. On va compiler. Et on va avoir un problème parce qu'on a déjà un main défini dans un des deux fichiers. Bon, en pratique, moi je vais supprimer le fichier C++. Supprimer, voilà, on recompile. Génération réussie et on exécute. Et on a Hello World version C. Voilà. Donc si vous souhaitez utiliser autre chose que Visual Studio, donc un autre IDE et du coup un autre compilateur, vous pouvez par exemple télécharger Codeblocks sur codeblocks.org. Donc arrivé sur la page, vous allez sur Downloads, Binaries, et ici, tant qu'à faire, autant coupler avec les outils de compilation, donc les compilateurs GCC, etc. Et vous pouvez par exemple télécharger cette archive-là. Donc. Si, comme moi, vous avez eu un souci avec l'installation, ici il me dit qu'il trouve pas le compilateur GCC. Donc, on va dans Settings, Compiler, Toolchain exécutable. Et là, le chemin qu'il indique est pas le bon. On peut faire Autodetect. Il finit par le trouver ici. Donc, on fait OK. OK. Bon, pour démarrer un nouveau projet, c'est facile. Donc, File New Project. On a différents types de projets possibles avec Codeblocks. Je vais prendre un petit projet. Alors, le répertoire à destination me va. On va appeler ça Hello World. Compilation C, mode debug, mode release. OK, finish. Donc, on a un projet Hello World vide. Là, on retourne ici, on fait nouvelle, enfin nouveau fichier.
Et là, on choisit juste un fichier source C, C++. Go. Next, on va choisir C. Alors, le nom du fichier, ça va être hello.c. Et on va l'activer pour les modes debug release. Effectivement, hello.c ici. Comme ça, il rajoutera tout le chemin. Ok, donc ici dans le projet, on a des sources et dans les sources, on a hello.c. Desinclude stdio.h on sauvegarde. Pour compiler, c'est le build ici ou là. Voilà, donc la compilation se fait à l'aide de GCC. On voit les lignes de compilation, ça on pourrait les faire à la main dans un terminal. Et puis l'exécution, c'est le bouton play qui est là et Hello World fonctionne. Dernière étape, si on souhaite utiliser une surcouche de Windows qui gère un terminal à la mode Linux, je vous conseille Cygwin. C'est un produit assez ancien qui fonctionne très bien. Donc cygwin.com, vous allez sur install Cygwin, vous téléchargez le setup. On exécute. Alors, on passe quasiment toutes les étapes jusqu'au Mirrors. Bon, je prends le deuxième parce qu'il est HTTPS. Ok, et là on arrive sur une fenêtre de sélection qui nous permet de demander qu'est-ce qu'on veut installer des outils Unix. Donc il y a un tas de choses. Hein. Pour commencer, on va juste installer le minimum nécessaire pour éditer et compiler du C ou voire du C++. Donc on va taper GCC, on va aller dans Devel, on va sélectionner cette ligne-là. On va prendre la dernière version. Je vais prendre le corps GCC. Ok. Ensuite, un éditeur de texte. Je vais prendre Emacs. Alors, dans Editors. Et je vais prendre la version Win32. Hop. Et enfin, je vais rajouter l'outil Make pour automatiser la fabrication des fichiers. Et je vais prendre la dernière version. Puis suivant. Donc là, il calcule les dépendances, il vous les affiche. Terminé. À partir de là, donc on a Cygwin qui est rajouté donc comme surcouche. Quand on lance, on a un terminal. Ce terminal est équivalent à ce que vous pouvez avoir en bash sous Linux. Donc, on peut voir que les répertoires sont gérés avec la hiérarchie Unix, que en pratique, les disques se trouvent dans SIG Drive, puis voilà, c'est, et qu'en pratique, donc le home se trouve quelque part ici. Voilà. Home. Voilà. Donc votre home est là en pratique. Et vous, donc il vous fait apparaître juste home et nom d'utilisateur. Ok, donc à partir de là, je crée un dossier hello. Je vais dedans. Il est vide. Ah, j'ouvre avec Emacs hello.c. J'édite le fichier desinclude stdio.h int main void. Je sauve dans le terminal, donc maintenant il suffit juste de taper
taper la ligne de compilation pour compiler le fichier hello.c. Donc une ligne complète, enfin quasi complète, ça serait donc gcc-w all warning sur tous les types d'erreurs potentielles. Le nom du fichier c, hello.c, moins o, moins output, la sortie, hello. Voilà, le fichier vient d'être compilé, on voit qu'il y a un hello.c, hello.exe, on lance hello.exe, et ça fait bien hello world. Juste pour compléter ça, je vous propose de faire un makefile qui automatise la compilation du fichier. Donc un makefile, c'est un fichier qui s'appelle makefile. La cible principale d'un makefile, c'est souvent l'étiquette all. Et là, on va dire, pour la cible principale, on va demander à créer hello. Hello a besoin d'avoir hello.o, donc le fichier compilé à partir du fichier source. Avec le fichier compilé, on le link avec le système pour en faire un exécutable à l'aide de gcc hello-o, pardon, gcc hello.o-o, hello. Output, donc c'est hello. La sortie de binaire exécutable, c'est hello. Maintenant, pour avoir hello.o, il est nécessaire d'avoir hello.c, c'est une dépendance. Et ainsi, donc si je fais, à ce moment-là, je fais gcc-c de hello.c. Donc ça c'est pour compiler, pour cleaner le répertoire, donc supprimer les fichiers temporaires, binaires, etc. Je fais un rm de hello. Donc l'exécutable, parce que ça il fait pas partie des sources de hello.o et éventuellement des fichiers de sauvegarde d'imax quand je fais des modifications. Étoile tilde, attention, la tilde est très importante ici. Je sauve, et donc quand on a un fichier makefile, on peut utiliser la commande make pour fabriquer. Donc make c'est équivalent à make all, donc l'étiquette all de tout à l'heure, mais là je vais commencer par faire make clean pour vous montrer que alors non, ça n'a pas fonctionné. L'étiquette make clean. Oui, effectivement, m'affiche une erreur parce que je demande de la suppression de fichiers qui n'existent pas. Donc c'est .exe ici et hello.o. Je rajoute le moins f pour pas qu'il génère une erreur. Donc make clean, voilà. Ls, voilà, il n'y a plus que hello.c et makefile. Quand tu fais make, il y a la compilation qui fabrique hello.o et ensuite le link qui fabrique hello. Et donc hello fonctionne correctement. Je reviens sur le code source pour finir. Juste pour vous montrer que si maintenant je fais make, il me dit rien à faire parce que c'est à jour. Et ici, je vais modifier le code source en rajoutant des points d'exclamation. Je refais make et là il recompile parce qu'il a détecté qu'il y a eu une modification dans le code source. Voilà.